Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Un mal de tête, une coupure, une piqûre, bref, peu importe les petits mots, nos sociétés modernes font très vite appel aux médicaments pour reprendre le rythme frénétique de nos vies. Le médicament est une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Il présuppose un diagnostic médical et permet de restaurer ou de modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action ciblée. L'origine du médicament remonte vers 400 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate, considéré comme père de la médecine, a passé sa vie à observer les symptômes et les remèdes que les malades associaient à leur guérison. Il a ainsi établi une pharmacopée qui contient les 250 plantes dont il fait usage. Plus tard, la médecine arabe a beaucoup apporté par la traduction de nombreuses œuvres d'Hippocrate, de Galien ou bien encore de textes hindous et persans. Ils ont créé des centres universitaires qui ont permis l'introduction de nombreux nouveaux remèdes, ont créé une forme pharmaceutique nouvelle à base de sucre de canne, qui sont les sirops actuels, et ont introduit l'alambic, jusqu'alors inconnu. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est la mode des antidotaires, qui étaient des formulaires et livres de prescription. Progressivement, la séparation de la médecine et de la pharmacie ouvre aux médicaments la voie de l'industrialisation. Les pharmaciens vont se lancer dans la fabrication industrielle des médicaments en collaboration avec des chimistes, d'où la proximité entre industrie chimique et pharmaceutique. En Allemagne, c'est Bayer, la fameuse entreprise controversée du glyphosate Roundup, qui fait naître sa filière pharmaceutique à partir de sa division chimique. Bref, vous connaissez aujourd'hui l'univers impitoyable du médicament et des laboratoires. Peut-être pas assez pour comprendre que la priorité reste la prescription 100% naturelle pour les petits maux de tous les jours. Si nous approfondissons sur la société Bayer, nous voyons sur leur site internet qu'ils ont su développer leurs activités tout autour de la santé. Ils s'occupent de la santé des hommes, des femmes, compléments alimentaires, cosmétiques, dispositifs médicaux, médicaments des animaux, des plantes et de la qualité des cultures, ainsi que de l'hygiène publique, rurale et industrielle. Bayer est donc là pour satisfaire notre envie de chimie et notre désir d'un monde et d'une santé aseptisée. Le problème posé par le monopole de grosses structures comme Bayer, c'est qu'ils dictent leur manière de concevoir la bonne façon de vivre sa vie d'humain moderne. Par un fort lobbying financier pouvant remettre en question la qualité des prestations, voire la dangerosité de certains produits commercialisés. Pour cela, rien ne sert de revenir sur les nombreuses affaires remettant en cause les effets pervers de traitements médicaux. Les plus gros acteurs du secteur pharmaceutique dépensent l'équivalent de 16 millions d'euros chaque année en lobbying au sein de l'Union européenne. Ce fort impact modèle les directives gouvernementales et ne place plus notre santé dans le bien public qui prétend l'égalité à chacun dans l'accès aux soins, mais accentue sa privatisation au détriment des plus précaires. La détention de brevets, la fabrication à l'étranger de nombreux médicaments et génériques, l'incapacité grandissante des pays européens pour se fournir en médicaments pour certaines pathologies font craindre des ruptures d'approvisionnement croissant alors que ces sociétés génèrent des dividendes énormes pour leurs actionnaires. On parle de rupture d'approvisionnement de médicaments lorsqu'une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur est dans l'incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Cette rupture d'approvisionnement peut être imputable notamment à une rupture de stock ou à une rupture dans la chaîne de distribution qui se définit respectivement par l'impossibilité de fabriquer ou d'exploiter un médicament ou bien le non-approvisionnement d'une officine ou d'une pharmacie à usage intérieur en l'absence de rupture de stock. Les ruptures d'approvisionnement peuvent avoir des conséquences néfastes pour le patient, d'autant plus lorsqu'elles concernent des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur,
En effet, l'indisponibilité transitoire, totale ou partielle de médicaments est susceptible d'entraîner un problème de santé publique, mise en jeu de pronostics vitaux, perte de chance importante pour les patients. Selon Mediapart, l'été dernier, la France connaissait 12 fois plus de ruptures de stock de remèdes vitaux qu'il y a 10 ans. La cause? Les laboratoires pharmaceutiques délaissent les médicaments les moins rentables. Pour exemple concret, il y a quelques années, un traitement existait pour les allergies printanières. Appliqué par mésothérapie, c'est-à-dire par légère injection locale, ce médicament liquide était au prix d'1,29€ la dose. Il a été arrêté car peu rentable pour le laboratoire, alors que pour l'avoir testé, celui-ci était très efficace. Une autre cause liée à ces ruptures de stock est la sous-traitance de nombreux laboratoires en Asie. L'arrêt des échanges internationaux provoqués par le coronavirus, par exemple, nous montre la fragilité de notre système d'approvisionnement. L'accès à la santé fait désormais partie des inégalités grandissantes. L'abandon du service public de santé par des gouvernements successifs amplifie la fragilité du système égalitaire. Connaissez-vous le médicament le plus cher à l'heure actuelle sur le marché ? Il s'agit du Zolgensma, dont la sortie en décembre dernier n'est pas passée inaperçue par le scandale qu'il a déclenché dans sa stratégie marketing. Novartis, l'entreprise à l'origine du médicament, va effectuer un tirage au sort de 100 bébés sur des milliers d'enfants malades, auxquels l'entreprise offrira son nouveau traitement capable de sauver la vie. Une seule injection de ce traitement guérit la maladie génétique rare, appelée l'amyotrophie spinale proximale de type 1, qui entraîne une atrophie musculaire et provoque la mort des enfants qui en sont atteints en seulement quelques années. Bien évidemment, la stratégie de l'entreprise est ici de choquer l'opinion publique pour mettre la pression sur les États et permettre un remboursement du traitement et ainsi une meilleure commercialisation et rendement pour l'entreprise. Le prix de ce traitement, 1,9 million d'euros. Comme tous les autres secteurs d'activité, celui de la santé n'échappe pas au monde de l'argent. Lorsqu'il s'agit d'acheter une télévision, pourquoi pas? Mais lorsqu'il s'agit de notre santé garantie par l'État, n'oublions pas également tout le secteur de la santé publique qui s'écroule sous le coup de coupes budgétaires consécutives et de plus en plus difficiles à supporter. Merci d'ailleurs à tous nos soignants pour leur courage et leur foi en leur vocation. Nous sommes bien d'accord que de nombreuses maladies ont besoin de traitement, mais essayons tout de même de nous séparer d'une chimie quotidienne telle que les doliprane, spasfon, paracétamol, multiples sirops, pilules énergétiques, potions magiques à composition inconnue, gelée royale de Chine, bref, le médicament n'est pas inconsommable et doit être pris avec parcimonie et conscience, surtout lorsque des études scientifiques préviennent des effets néfastes sur la santé lorsque la régularité de prise est trop importante. Vous avez tous dû voir l'évolution des pharmacies et des médicaments rangés derrière le comptoir sous prescription progressivement passer devant le comptoir sans remboursement. Comme un paquet de chewing-gum en bout de caisse, la pharmacie est devenue un business juteux, capable de maîtriser tous nos maux, voire même de nous en créer via son marketing publicitaire. En attendant, retournons aux racines de la pharmacopée et découvrons ensemble quelques plantes que nous connaissons tous ou encore quelques remèdes efficaces et naturels. Partons dans le potager et cueillons un peu de coriandre pour calmer nos digestions difficiles et une fatigue passagère. Prenez une cuillère à café de semences de coriandre, faites bouillir de l'eau et infusez 10 minutes. Besoin d'un bon nettoyage interne, faites-vous une infusion d'ortie, 25 g pour 1 demi-litre d'eau, laissez bouillir 2-3 minutes, infusez 10 minutes et boire à volonté. En cure de printemps, c'est excellent. Une amie de notre foie, c'est le pissenlit. C'est un toxique amer, draineur, dépuratif et circulatoire. Prenez une poignée de racines et de feuilles coupées pour 1 litre d'eau, bouillir 2 minutes, infuser 10 minutes, prenez-en 3 tasses par jour avant les repas. Bref, vous comprenez bien que les plantes sont nos alliés pour nous maintenir en santé et renforcer notre organisme. Dans les petits remèdes quotidiens, l'alimentation joue un rôle important. Les alicaments, appelés ainsi pour leurs propriétés bienfaisantes pour la santé, doivent impérativement trouver place dans notre quotidien. Le citron, par son apport en vitamine C, renforce les défenses naturelles du corps. Il possède des propriétés antiseptiques et anti-infectieuses. En condiment, l'oignon est fortement conseillé pour son rôle antioxydant et anti-inflammatoire. L'ail, lui, est antibactérien, antiviral et antifongique. N'oublions pas le miel et la cannelle. Il existe aujourd'hui une tonne de livres nous invitant à redécouvrir les recettes ancestrales issues de la nature. Il n'y a donc rien de compliqué à essayer d'aller vers une santé plus naturelle.
Alors oui, les médicaments ont le mérite d'exister et de sauver des vies, mais ils n'ont pas pour fonction de gérer quotidiennement des maux anodins qui peuvent soit passer naturellement, soit trouver une solution dans la pharmacopée d'Hippocrate. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois, Green, Green, absolument. Green, Green.